On dirait que j'ai un problème. Mon iPhone allumé se met tout de suite en mode récupération. Je vais vous montrer comment sortir de ce mode. Car si je l'éteins ici, vous voyez, donc une fois éteint, je le rallume. Il se met tout de suite sur le mode récupération. Impossible de redémarrer. On va voir ensemble comment réparer cette erreur. Donc voilà, en fait, on va tout de suite mettre le câble, l'iPhone éteint, et vu qu'il était en mode de récupération, c'est-à-dire qu'il était en mode défaut avec une erreur, lorsque je vais insérer mon câble dans mon iPhone, ici, je viens de le mettre, on va voir ici, et voilà, instantané, il se met. Et sur mon écran de Mac, le problème se fait répercuter, et automatiquement, il me demande de restaurer mon iPhone. Ce qu'on va faire de suite. Voilà, donc ici, comme vous voyez, en gros sur l'écran, on a deux solutions. Ou on passe par la mise à jour, donc on fait mettre à jour notre iPhone. Mais dans l'état qu'est notre iPhone actuellement, c'est très peu probable qu'il vous fasse une mise à jour correcte, une réinstallation correcte. Donc ce qu'on va faire, on va lui demander de restaurer notre iPhone. On va lui demander de restaurer et mettre à jour notre iPhone pour retrouver normalement un iPhone en état de fonctionnement. Alors attention, cette manipulation, il faut que cet iPhone soit à vous avec tous les codes nécessaires. Ici, comme d'habitude, on nous demande par rapport au contrat si on accepte. On va tout de suite accepter. On est parti directement sur un téléchargement d'iOS dernière version. La mise à jour de notre iPhone va se faire et on va normalement restaurer, récupérer la version d'origine. Alors attention, si vous avez jailbreaké votre iPhone, vous allez peut-être rencontrer des erreurs au niveau de l'installation. Ça peut être un peu perturbant, donc faites très attention lorsque vous jailbreakez vos appareils. Donc ici, notre iPhone s'est mis sur la pomme et est en train de charger la version pour mettre à jour notre iPhone. On est en pleine restauration et notre iPhone va revenir comme au premier jour. On rentre sur la vérification du logiciel, on rentre dans la restauration du programme interne de l'iPhone et comme vous avez pu voir, notre iPhone était complètement bloqué. Grâce à cette manipulation, vous retrouvez normalement un iPhone en parfait état. Pour éviter une vidéo trop longue, j'ai coupé donc au fur et à mesure les différents points de restauration. La restauration est terminée, on va voir ce que va nous proposer iTunes. Si vous avez fait une sauvegarde au préalable, ce que je vous préconise absolument, on va pouvoir restaurer notre sauvegarde. Voilà, donc après le redémarrage de notre iPhone, une fois qu'il a été restauré au complet, ici, il va nous demander si on veut le définir comme nouvel iPhone ou le restaurer à partir d'une sauvegarde. Ce qu'on va faire ici tout de suite. On va le valider. On vous demande de rentrer votre mot de passe. Et la sauvegarde se lance instantanément. Ici, la restauration de l'intégralité de vos contacts, de vos applications, de vos mails se fait instantanément. Et tout ceci prend bien sûr un certain temps. Donc il faut être un petit peu patient, on va dire que 15 à 20 minutes pendant toutes ces manœuvres. Notre iPhone est fini d'être restauré, on va pouvoir avoir accès à toutes les applications de celui-ci. Eh bien moi, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour continuer à me suivre. Plus de 200 vidéos sur la chaîne, des tutos, des démos, des présentations et bien plus encore. À très bientôt et pour la prochaine. Salut !